Bonjour à tous, nous revoilà pour un petit VR live. Nous voilà sur cette petite expérience qui n'est pas un jeu. Donc le concept est très simple. Comme vous pouvez voir, il y a des immeubles et nous on va aller tout en haut, voilà, sur une planche dans le vide. Donc très intéressant pour les gens comme moi qui ont le vertige. Si vous n'avez pas le vertige, ça aura forcément moins d'effet. Mais bon, c'est quand même sympa à faire, même ceux qui n'ont pas le vertige. Donc ça, c'est une option, on verra après. Donc la planche, voilà. La deuxième option, en fait, c'est une sorte de mini-jeu pour aller éteindre des feux dans la ville où on vole et on a une espèce de... On est équipé pour éteindre. Et la troisième fonction, c'est un peu le même principe, on vole, mais la fumée de pulseur permet de faire des dessins dans le ciel, etc. Voilà, bon, on y reviendra. Voilà, ça c'est rigolo, ça c'est pour les plus petits. Donc, ils n'ont pas accès au bouton. Voilà. Et évidemment, un petit peu d'humour. Donc, ça je vous ferai voir. C'est la surprise. on reviendra vite fait. Donc voilà, le principe est très simple, c'est ça. Une planche, le vide. Et pour ceux qui ont le vertige, pour l'avoir fait à plein de gens, c'est assez comique. Hein. Donc c'est très rigolo à faire. Enfin, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur. Moins pour ceux qui le font sur le moment. Donc moi je sais, j'ai le vertige mais je l'ai beaucoup pratiqué, donc maintenant c'est plus facile. Donc comme vous pouvez voir, on marche. On voit pas nos pieds, donc ça c'est un petit peu le... Il y a une fonction pour mettre les pieds, il faudrait mettre les manettes, enfin, c'est un peu compliqué. Mais ça existe. Ok. Donc voilà. Évidemment, vous ne vous rendez pas compte sur la vidéo du vide, mais je vous assure qu'on voit vraiment le vide. Et c'est pas évident. C'est très impressionnant pour les gens qui ont le vertige. Et je vous le conseille en VR, c'est vraiment, vraiment très simple. Là, sur la vidéo, forcément, ça perd un peu de son charme. Donc voilà. Après, on peut tomber. Donc, c'est ce qu'on va faire. Un petit pas sur la gauche, même si on voit pas ses jambes. Voilà, une petite chute de 80 étages. Hop, la chute est celle-là la plus difficile. Le contact au sol, on le ressent malgré que ce soit de la VR. Ok. Donc, on se retrouve dans la rue. L'expérience pour la planche est terminée. Voilà, c'est très rapide. Donc, si vous voulez faire des petites expériences VR rapides, c'est très sympa. Voilà. Après, il y a les autres fonctions. On va aller. Bon, je vais pas vous faire toutes parce que les deux là sont un peu sur le même principe. C'est juste que là, on éteint des feux et là, on vole librement quelque part. Donc voilà. Donc, vous voyez là, on peut éteindre. Voilà. C'est un mini-jeu en fait. Surtout l'intérêt c'est de pouvoir voler, voilà, on a notre propulseur, on dirige avec la manette et on peut aller dans la direction où on veut. C'est très facile. Hop. Hop. C'est un petit coup à prendre. Voilà. Et les feux en fait sont répartis dans toute la ville. Donc on entend, voilà. On peut aller le plus vite possible. Voilà. Enfin, je vais pas faire tout le. Voilà, vous avez compris le principe. L'intérêt c'est de voler en fait. Voilà, on est libre. La sensation est sympa. Vous avez vraiment la possibilité, vous voyez, de voler où vous voulez. C'est très maniable en plus, parce que c'est avec la main qu'on se dirige. Voilà. Voilà, on peut aller beaucoup plus haut, on peut aller aux endroits, on peut aller assez loin quand même. Bon, pas à l'infini, mais on peut quand même se déplacer. On peut faire des petites promenades, aller voir la nouvelle fière, etc. Je me suis déjà amusé un peu à aller très très haut, etc. Il y a un moment, il y a une limite, mais on peut aller vraiment haut. C'est sympa. Voilà le principe. Donc, on va revenir au début. Voilà, ça, par exemple, c'est pour régler la planche. Vous voyez, tout est réglable par rapport à votre taille de pièce. Si vous voulez que la planche, je peux l'agrandir, en fait. Voilà, personnellement, je n'ai pas là où je suis en ce moment, pas trop trop de place, donc je ne peux pas la faire très longue. Mais enfin, vous pouvez vous amuser à la faire plus longue, évidemment plus étroite, plus large. Enfin, voilà, vous voyez le principe.
On peut tout régler, c'est pas mal. Ça permet d'adapter à la pièce. Donc on va sauvegarder. Voilà. Donc on revient au début. Donc bah, rebelote. Voilà. Ça, je ne vais pas refaire parce que bon, bah, le Skybrush, c'est le même principe, sauf que au lieu d'avoir un extra. Enfin, pour éteindre le feu ou on a un propulseur et puis on peut changer les couleurs en fait, de la fumée du propulseur et faire des dessins qui restent. Donc, vous voulez faire un grand cœur dans le ciel ou etc. Voilà. Là, la partie, bon, ça, c'est une option que je ne peux pas vous faire voir. Alors, hop, petite chose subtile qui est cachée. Voilà. Donc, pas pour les enfants. De toute façon, la VR, hein, comme vous le savez, c'est pas vraiment recommandé pour les enfants à partir de 12-13 ans. On appuie 3 fois 666. Voilà, le chiffre du diable. Et on est passé en mode horreur. Donc il y a plein de phobies, pour moi qui n'aime pas les araignées. Donc je vous fais voir juste une petite introduction de tout ça et je vous laisserai découvrir si un jour vous faites la démo, quoi, pour vous la faire entière. Voilà. Charmante petite araignée. Donc pour ceux qui ont la phobie des araignées, du vide, etc., vous avez de quoi vous faire, enfin, il y a de quoi s'amuser. Oui, je vous laisse contempler la charmante petite araignée. Donc comme on est en VR, évidemment, c'est pas la même chose. Hein. Vous êtes sur vidéo, ça n'a rien à voir, mais je vous recommande d'essayer. Donc ça, c'est une fonction cachée, entre autres, enfin qui est plus trop cachée, mais... Voilà, maintenant on va attaquer différentes phobies. Après les araignées. Donc c'est assez petite mise en scène, puisqu'on est en mode horreur. Claustrophobe. Petit... qui aime les clowns aussi, c'est la tendance en ce moment. Enfin les clowns, non. Pas vraiment un clown. Un peu de bricolage. Dédicace au dentiste. Je vais pas tout le faire parce que je vais vous laisser le découvrir le jour où vous ferez, enfin si vous voulez le faire. Ça, c'est une petite fonction qui met à la période de Noël. Vous faites pareil, c'est un petit traîneau qui arrive avec le Père Noël et vous pouvez vous promener aussi pareil en l'air, faire un petit tour de la ville. Donc voilà, vraiment une petite expérience sympa à faire que je recommande aussi. Elle est rapide, si vous faites juste la planche, c'est très rapide, vous pouvez enchaîner, faire essayer à plein de monde, c'est très rigolo, ça met l'ambiance. Surtout comme je dis sur ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont. Enfin, si vous n'avez pas le vertige, forcément, hein, je vous ai dit, vous le faites un peu plus tranquille. Mais bon, la plupart des gens, en tout cas à qui je l'ai fait essayer, ça leur fait le petit effet. Donc c'est très drôle à faire. Et bon, c'est une petite expérience courte et efficace. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais continuer à faire des petits VR live, etc. Si vous avez des suggestions, toujours pareil. J'essaie de trouver. Là, bon, c'est du connu. Je vais essayer de faire aussi des applications un peu moins connues. Et petit à petit, voilà, grandir mon petit catalogue de vidéos. Je vous invite à liker la page si vous avez aimé, à partager et à vous abonner en cliquant sur le petit logo. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos.